answer something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. Find who I am and I've been. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon Autumn Pack, ma pack de l'automne. Je filme, on est le... Oui, je sais pas quelle journée. Si, je sais quel jour, mais je ne sais plus quelle date. Le 15 septembre, je ne vous ai pas encore filmé du coup le bilan pour la Summer... Ça, j'allais dire le Summer Body Challenge, mais non, le... pour la Summer Pack, parce que c'est pas fini l'été, hein, mais bien qu'il fasse super moche en ce moment, mais voilà, il me reste encore jusqu'au 23, donc je me dis que je peux encore rajouter un ou deux colos de ma Summer Pack. Donc je vous la filmerai peut-être plus tard. Puis après, je sais pas trop comment ça va se goupiller, parce qu'après il va y avoir le déménagement. Va falloir que je commence à mettre que je mette mes affaires de colo en carton, et je sais pas, j'ai pas envie, parce que j'ai envie de continuer de colo jusqu'au bout. Donc je sais pas trop comment ça va se goupiller. Et il faut quand même que je vous tourne du contenu pour pas que vous sentez la coupure arriver. Enfin voilà, faut que je filme le maximum de vidéos, que j'en monte le maximum, que j'en programme le maximum pour voilà, éviter toute coupure pour vous. Je sais pas trop comment ça va se goupiller en fait. Je sais pas si je vais avoir internet tout de suite ou pas, je pense pas, enfin je sais pas comment ça va. Enfin bon bref, on est parti pour l'automne pack. Je me suis mis 15 livres entre guillemets, parce que il y en a certains, c'est par illustrateur, donc j'ai plusieurs livres d'illustrateurs, mais enfin bon bref. C'est pochi. Donc je me suis mis le petit carré coco parce que je ne l'ai toujours pas entamé et je me dis que c'est la saison pour. Hein, voilà, je sais pas ce que c'était cet accent, excusez-moi. Donc je pense que c'est, voilà, cette saison, et ça me permettrait de l'entamer enfin. Certains colos me font peur. Je l'avais eu en occasion celui-ci. Mais voilà. Il faut que je l'entame. On y croit. On va y arriver. Ensuite, je me suis mis le Forest Girl d'Aipol. Je l'ai entamé il n'y a pas très très longtemps. J'avais fait celui-ci. Donc, pourquoi pas retourner dedans, étant donné qu'il y a voilà, des colos de saison. Autant hivernal. Voilà, vous avez des sapins de Noël, tout ça, tout ça. Donc, je me dis, des petits colos automnales. Celui-là il est pas trop mal, il est bien compliqué, mais on a des petits colos cosy. Celui-là non, il fait pas. Ça c'est écrit quoi? Titan in Cloud. Ouais. Celui-ci pourrait être pas mal. Là ça fait hiver. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Tenter de me prendre les autres, mais bon, voilà, je vais pas dans celui-là très très souvent, donc le Good Day Hatchwap. Ah, celui-ci pourrait être super pour comme d'habitude, je suis super bien cadrée. Hein. Voilà. Vous me dites rien aussi, celui-ci pourrait être top, mais voilà, faire un petit colo. Non, ça fait plus printemps. Hein. On va faire un petit colo sur le thème automnal. Celui-là aussi pourrait être bien. Donc voilà. Hey Paul. Ensuite, je me suis mis Christ. Non. Ah, je vous spoil. Des petits marque-pages, voilà, pour continuer d'avancer mes blocs. Bon là, n'importe lequel, j'ai envie de vous dire. Mais ouais. Que j'avance mes marque-pages. Je vais finir par demander à Taz de me faire des petits rangements de marque-pages. Si jamais tu passes par là, Taz. Donc ensuite Christine Caron, donc j'en ai trois papiers il me semble, voir si j'en ai peut-être un autre ou je l'ai revendu, je sais pas, mais bon je l'ai en PDF, j'en ai en PDF aussi, donc du Christine Caron ça pourrait être pas mal, sachant qu'il y en a une qui me fait super envie et je sais plus dans lequel, mais qui est fait celle avec la tasse là, je pense que vous savez lequel que je parle. Lequel que je parle pas français, mais il y en a un avec elle a une tasse de café dans la main et elle fait très
très automnal. Celui-là, je l'ai fait. Celui-là, il pourrait être bien aussi. Mais ouais, faire un petit... Celui-là, ouais. Non, pas toi. Je sais plus dans quel il est, mais je l'ai. Mais ouais, faire un petit colo de Christine Caron. Parce que j'aime bien. Voilà. Ah oui, celui-là avec les petits renards, là. Oh là là. Je me souviens même pas que j'avais mis un marque-page, hein, ça veut dire. Mémoire de poisson rouge, bonjour. Donc ensuite, je me suis mis le Cute and Creepy parce que bah c'est le moment de le sortir, les gars. Hein, j'en ai fait quelques-uns dans celui-ci. Donc voilà, faudrait que je continue de l'avancer. Je n'ai pas fait du tout au début. Ouais, puis j'ai ça à rattraper là. J'en ai pas fait du tout au début. Mais voilà. Et vu qu'il y a le challenge d'Elise qui est de retour, je me dis que ça pourrait être bien. Ouais, là aussi, je dois rattraper. Le papier, je suis pas très fan de ce papier. Mais bon. Non, non. Bon, bah oui. Faudrait que. Voilà, je m'en mette un petit et puis. Je sais pas lequel, mais j'en ferai sûrement un ou deux dans celui-ci. Celui-là. Mais celui-là, cette double page, je l'aime beaucoup. Voilà, donc le Cute and Creepy. Ensuite, le Deria Karkirzoy. Donc le From Halloween to Christmas. C'est le moment aussi de le sortir. Je ne l'ai toujours pas commencé. Donc voilà, allez dedans. Bah, je me suis noté des colos, je me souviens même pas. Mais ouais, petite sorcière là, elle est cute. Mais ouais, pourquoi pas aller dedans. Voilà. Pour Halloween. Voilà. Petit colo. Ça c'est plus Christmas. Hein. Ouais, là c'est Christmas. Ouais, Christmas. Donc ouais, sortir celui-ci. Enfin entamé. Ensuite, je me suis noté Mario Labudec, donc ça serait bien que je continue d'avancer mon petit Cute and Friends. Je dois avoir des colos un peu automnal. On va peut-être les mettre sur le dessus. Non, toi, tu fais Saint-Patrick, toi. Saint-Patrick, printemps. Celui-ci. Ah, j'ai ma machine à laver qui m'appelle. Elle va attendre. Celui-ci aussi, ça peut le faire. Celui-ci aussi. Celui-là aussi, j'aime bien. Oh, la maison hantée, là. Très, très bien, ça. Ça aussi. Le challenge de lit, ça pourrait être bien ça. Ça. Non. Non. Lala ? C'est toi ? Pousse la porte. Non. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est Noël, ça c'est Noël, ça c'est Noël. Noël, Noël. Noël. Ça, je sais pas trop. Ouais, Noël quand même. Avec le pull. Ouais, ça fait hiver, ça. Hiver, hiver. Voilà, donc. Ça, non. Ça, printemps, ça, voilà. Mais ceci pourrait carrément rentrer. Ouais, ils sont beaux, ceci. La maison hantée, là, j'aime beaucoup. C'est un peu plus compliqué que d'habitude, mais ouais, ça pourrait le faire. Donc je me les laisse au début. Hop là. Pour avancer ce petit set de Mario Labudec. Ensuite,
le grand bloc abécédaire parce qu'il n'est toujours pas entamé. Voilà. Est-ce qu'on a des trucs un peu typés automne là-dedans? Ça va être compliqué, je pense. Hein. Ou au moins qui rentrerait dans la catégorie de du challenge d'Eléis. Il doit y avoir clochette au pire pour faire du point en faisant une fée. Parce que ça, ça fait printemps. Il n'est pas évident. Est-ce qu'il y a clochette au moins? Non, je crois pas. Clochette ici. Non, je verrai. Ça, ça fait printemps aussi. C'est mort. Moi, je verrai. Ouais. Mais bon, faut que j'entame celui-ci. Ensuite, je me suis mis le grand carré. C'est la fête parce que bah, j'en ai fait deux dedans. Voilà, j'en ai fait que deux. Deux doubles pages. Et bah, j'aimerais bien l'avancer un peu plus, celui-ci. Donc, pourquoi pas en faire un dedans. Je devrais bien trouver... voilà, il y a plein de fées là où des trucs qui volent, machin. Ça pourrait être bien pour la... celui-ci pour le challenge d'Eléis. Faut que j'aille vérifier mon four. Qu'est-ce que je pourrais, voilà, celui d'Halloween avec Mickey, ça pourrait être bien. J'aime bien celle-là, double page. J'aime pas celui-là avec les gros traits là. Ouais, je pense celui de Mickey. Bon, voilà, retourner dans celui-ci. Ensuite, je me suis mis mon Disney Princesse. J'ai mis une page en... une page en particulier. Je sais pas pourquoi. 78, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est quelqu'un qui porte une citrouille, je crois. Je crois que c'est ça. Voilà. Je vais pas vous montrer la solution, mais... c'est pour ça, ça rentre un peu plus dans le thème. Mais voilà, si j'en fais un dans le Mystère Princesse, ça sera bon. Ensuite, le Nocturne de Anastasia Eli Koldareva, parce que bah, je l'ai toujours pas entamé, et que bah, il peut très bien matcher pour la saison. Celui-là avec les chauves-souris, ou... même, hein, de toute façon, du moment que je l'entame, moi je suis contente. Hein. Celui-là avec le loup, là, il pourrait me faire gagner des points pour le challenge d'Elis. Là, si je les faisais en noir, les corbeaux, là. Mais ouais, il est magnifique. Donc, ouais. Si je pouvais l'entamer, ça serait bien. Même s'il me fait peur, je vais me faire taper dessus, mais voilà. Ensuite, ça serait bien que je ressorte mon Axan Stuga d'Anna Carlson. J'en ai fait juste, j'ai juste fait une double page dans celui-ci. Voilà, ça date de l'année dernière, il me semble. Donc, ça serait bien que j'y retourne. D'ailleurs, j'ai toujours pas fixé. Je fixe pas mes colos. J'ai une bombe. Normalement, j'en ai une. J'ai la Mona Lee. Ouais, voilà. J'ai Mona Lee. Et je ne fixe jamais mes colos. Hein, voilà. Donc si jamais vous m'entendez pleurer, parce que vous direz, c'est bien fait pour ta gueule. Parce que vous voyez, il y en a des beaux là-dedans. J'aimerais bien faire celle-ci. Celle-ci, je kifferais de la faire, mais elle me fait tellement peur.
Celle-ci, je l'ai vue il n'y a pas longtemps en fond noir et tout. Elle était magnifique. Ah, petit trésor là. Mais bon, il y a tous les petits éléments. Oh, il est trop beau ce livre. J'aime trop. J'aime trop. Ouais, faire un petit colo dans celui-ci. Parce que j'aime bien le format. Ensuite, je me suis mis celui-ci. Au départ, j'avais mis Arita Bergman. Hein, mais comment vous dire que j'ai vraiment du mal avec cette illustratrice. Autant j'adore les voir mis en couleur, mais j'arrive pas à y aller. J'arrive pas à, je sais pas. Donc je l'ai enlevé et j'ai mis celui-ci à la place. Je me suis dit que ça pouvait le faire hein, pour colo tonal. Hein, voilà, les méchants. Halloween, tout ça, tout ça. Hein. Donc ouais, pourquoi pas retourner dans celui-ci. J'ai fait qu'une double page dans celui-ci. Enfin, j'ai fait que deux colos. C'est pas une double page, soit. Hein. Première vue. Donc je sais pas trop. Je sais pas lequel je pourrais faire. Je cherche toujours des colos qui soient pas trop compliqués parce que moi j'aime bien aller vite, hein, voilà. J'aime bien optimiser mon temps. Mais peut-être faire un personnage que j'ai pas encore fait. J'aime bien celui-là, mais il y a du taf. Hein. Moi j'avais fait celle-ci. Je ne sais pas, et puis il faudrait peut-être que je fasse aussi celle-ci. Ça serait peut-être plus simple pour moi faire celle-ci. J'aime bien Monsieur Mouche. Mais bon, je vais trouver. Il hein. y a de quoi faire dans celui-ci. Sinon, peut-être faire crochet. Je sais que ma soeur l'a fait, donc. Ouais, je devrais peut-être faire celui-ci. Celle-ci me tente, mais. Il est trop beau ce livre. Je vais voir. Mais bon. Ensuite, je me suis noté Maria Troll. Donc j'en ai deux. J'ai fait un seul colo dans celui-là. Je l'ai acheté d'occasion. Donc voilà, il est déjà fait. Et là, j'ai vu dernièrement que ça avait tout bavé sur la page d'à côté. Voilà. Moi, j'avais juste fait celui-ci. Et bouf, 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 bouf. Hein. Il est pas ouf, hein. Donc, ouais, j'aimerais bien tourner dans un petit colo Maria Troll. Mais je sais pas trop quoi. Ces pages-là, je sais pas quoi en faire, franchement. Je sais pas. Ça, ça pourrait me rapporter des points. Mais je sais pas. C'est quoi cette édition? Ah, le papier il est jaune. C'est pas ouf. Hein. On va faire un petit colo dans soit celui-ci ou le Luna. Donc là c'est l'édition Mus. Là on va voir que le papier est plus blanc. Voilà. Où j'ai fait celle-ci. Je l'ai acheté d'occasion aussi celui-là. Il y avait ça de fait dedans. Mais. Un petit colo avec un petit chat ou je sais pas. Celui-ci aussi pour me rapporter des points. Ah ouais, sortir un petit Maria Troll. J'ai bien envie. Ouais. Allez. Et enfin, celui-là, je le sors à chaque fois pour toutes les sauces, mais je vais jamais. Le cercle de la vie. Il faut que je le reprenne, il n'y a pas. J'en ai fait qu'un. Voilà, j'ai juste fait celui-ci. Et j'aimerais bien voilà, y retourner. J'aimerais bien faire celui-là depuis tellement longtemps. Mais il y a celui-ci qui pourrait être bien pour
Cette chaleur. Ah, c'est pour ça que j'avais mis des marque-pages. J'avais prévu ma pack un peu. J'avais regardé un peu mes bouquins un soir. Ça me revient seulement maintenant, vous voyez. Mais oui, ceux-ci sont bien typés automne. Donc ça pourrait être pas mal. Mais oui, ce livre est magnifique. Mais voilà quoi. Faut que j'y retourne. Donc voilà, le cercle de la vie. Donc environ 15 livres. Environ. Mais voilà, j'aimerais bien aller dans ceci pour ma pack automnale. J'espère que ça marchera bien. Je ne vais pas vous spoiler mon bilan de ma summer pack, mais voilà, ce qui arrivera normalement bientôt. Mais ça fonctionne plutôt bien pour moi, ces packs sur la saison en fait. Parce que les packs à la semaine et les packs au mois, c'est pas la peine. Vu que il y a des périodes dans le mois où je vais avoir beaucoup envie de colorier, mais pas le temps. Ou pas du tout envie de colorier, mais je vais avoir du temps, mais je préférerais regarder une série ou un film. Donc voilà. Et je suis mes envies. Et par rapport au temps que j'ai en même temps, je colo plus le soir qu'en journée. Parce que la plupart du temps, la journée, je suis au plot. Voilà. Mais pour moi, ça fonctionne plutôt bien sur la saison, en fait. C'est pour ça que je vais continuer à faire mes packs par saison. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous fonctionnez à la semaine, au mois ou comme moi par saison. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Plein de bisous. Ciao!